Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring où, eh bien, on va, c'est pas comme ça qu'on fait, on va se téléporter, et oui, ici, tout à fait, au tout début, non, c'était pas là, d'ailleurs, ce n'était pas là, il vient de voir que ce n'était pas là, car c'est là, voilà, non, ici. car on avait débloqué l'échelle qui permettait d'aller dans cette sorte d'église. Et on était mort comme un caca. Et on va aller tout de suite rechercher nos runes. Et pouvoir, eh bien... ah oui, on les voit. Pouvoir aller, eh bien, explorer cette nouvelle partie du donjon. Et oui, le donjon de Nahelbeck. Voilà. Pourquoi tu le vois plus, celui-là? Tu vas me dire que tu vois plus le monsieur qui est là? Tu te fous de moi? Allez, Jackie. Qu'est-ce qu'il est con? Boum! Oh, 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 oh! Se calmer, le Jackie, là? Ok. C'est important, hein, maintenant qu'on sait qu'ils sont là. Boum! Ah oui, ça, on peut faire l'attaque puissante de l'arc, eh bien, quand on vise. C'est vrai qu'on l'avait pas encore expérimenté. Ouais, elle est bien ta vie, mon petit gars. Il y en a encore un, je crois. Non? Elle est. Non, c'est pas moi. J'ai rien fait. Je ne suis pas là. Il est damné. Et oui, vieux mage, vous vouliez dire quelque chose, en effet. Vous êtes mort. Allez, il y avait lui, il y avait ce con, et là il y en avait un. On sait. Allez, c'est parti. On était, on avait passé, évidemment, nous étions passés par les toits, nous étions évidemment. Nous étions, ne veut rien dire. Oh, bien vu, petit guerrier mage. Attends, je récupère ça, merci. Ok, aïe aïe. Ah, salaud. Tu connais bien mon timing d'attaque, petit. Ah, j'étais pas sur la bonne. Très bien. Ah. Oh oui. Mince. Meurs. Créature du mal. Ouais. Allez. Ah, les mages, une fois que c'est au corps à corps, c'est nettement moins efficace. Ok. Il y avait surtout... Oh oui. Un nouveau sort. C'est un mec, hein. Il a l'air fort. Alors, on a vu qu'on pouvait passer de là, mais on était passé de dos. Ah, d'accord. Mais d'accord, ok. Nous avions vu ce lieu. Ce qui est bien, c'est que j'aurais pas besoin de me retaper tous les fucking toits. Ok, ouais. Tous les fucking toits pour arriver ici. Bien. On avait vu qu'il y a un mec qui était tombé là, la dernière fois. On va quand même devoir refaire les toits, je pense. On n'a pas tout vu sur les toits, je pense. Largement pas. Ce niveau est très grand. C'est assez intéressant. Alors, lui, il me fait peur. Donc, comme nous sommes un guerrier intelligent. Ah, il a une arbalète. Le lâche. Le fourbe, il va tirer à l'arc. D'accord. On est parti. On est sur ce genre de mec. Ok. Espèce de naze. Ok. Ça pue ça, non? Ça pue ça. Ça pue le boss ou une connerie comme ça. Cassons-nous! Non. Ok, un bâton. C'est quoi cette grosse tête?
C'est dégueulasse. Bien, on a fait cette zone. Bah, je pense qu'on a tout fait ici. Alors, ça fait quoi ce petit ces bâtons là, éclat d'azur, je sais pas quoi. Alors. Bâton d'éclat de Caria. C, ok, ouais. B, intéressant, intéressant. Peut-être intéressant pour les mages. Meilleur bonus de sorcellerie que celui-là. Ah, mais celui-là, ah, celui-là c'est pour les lames, d'accord. Ok. Et celui-ci. 52 ! Ah, les deux, il faut 52 pour les utiliser ? Mais c'est quoi la différence entre les deux ? Hmm. Ouais, c'est bien 52 qui est noté, d'accord. Ok. 52 d'intelligence ? Vous êtes sérieux ? 52 d'intelligence ? Waouh ! Ah ouais, c'est vraiment pour jouer full magie, hein ? Tu mets rien d'autre dans ton perso, ah, tu fais de la magie là. Ah, là on saura que tu fais de la magie là. Ok, intéressant. Alors il y a deux stats intéressantes à regarder hein, pour les sorts. C'est le renforcement de sorcellerie. Comme ici. Voilà, bonus d'incantation ou de sorcellerie, hein, c'est la même chose. Hein. Donc ça c'est un bonus qui va indexer sur les dégâts de votre arme. Et après vous avez le type de foi, le type de scaling A, B, C, D, E, F, G. Là. S. Qui va aussi influencer. Voilà. Influer. Influer. C'est toujours pas comme ça qu'on se téléporte. Et donc c'est vachement intéressant de faire des tests. Alors, me demandez pas vraiment les détails. Je ne les connais point. Ok, avec 16 intelligences, on va peut-être pouvoir commencer à équiper quelques petits sortilèges. On a 4 emplacements de sorts. Est-ce qu'on a, on a des sorts sur nous ? Attendez, qu'est-ce qu'on a comme sort de magie? Ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, on peut pas l'utiliser, volet de cristal. Mais on peut utiliser le déluge magique. D'accord. Et tout ça, on peut pas l'utiliser. Ah, il y a des sorts d'ésotérisme. D'accord. Ah oui, ça, c'est ce qui nous faisait le baltringue, là. Ok, ok. Ah, on a ça aussi. Force bestiale. Projette rapidement une multitude d'éclats de roches acérées. Ah, on n'a pas essayé ça. Essayons ça, ça peut être drôle. Après, il y a le... Il y a ça, là. J'aimerais bien essayer le pouvoir de la queue. Ça peut être marrant, ça aussi. Allez. Qu'est-ce que ça donne, ce pouvoir? Montre-moi ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Oh. D'accord. Ok, ça fait une sorte de petite gerboise. Ça peut être sympathique. Allez, arrête de faire n'importe quoi. Salon du débat. Oui, c'est là qu'on a tabassé le boss. Alors, on va voir en même temps si le mec relou, là, il repop. C'était par là. On va peut-être pouvoir aussi améliorer nos katanas. Est-ce que le mec relou repop ? Et de toute façon, on sait qu'on doit aller là. Ah non, le mec bizarre repop pas. Ah, donc on a bien fait de le tuer. Ah oui, donc ça va être beaucoup plus simple de passer... Ah si, il repop, il est là. Ah ! Oh, vite ! Mais bon, comme on a tout ouvert et qu'on va passer beaucoup moins de temps ici maintenant, eh bien, on va plus être emmerdé par ce mec. Ça, c'était tellement sûr. J'étais en train de me dire, vous sentez pas la boule arriver. Ben voilà. Pierre de forge 5, intéressant. Quel talent, quel talent, quel talent. Ah si, c'est d'accord, l'invocation est là. Ah bah non, on peut pas rouler dedans. C'est là qu'il faut être. Ok, go go go. On peut pas rouler dans la boule. C'est intéressant. Ok, il y a un autre chevalier là.
Type d'ouvrir de ce côté, ok. Là, on a quoi? Un téléporteur, un bouseau-porteur, intéressant. Et ça me bouseau-porte où, ça? De toute façon, c'est dans les deux sens, hein. Les bouseau-porteurs, généralement. Ou c'est que dans un seul sens, et là, je pars dans un autre état pour mourir comme un caca. Est-ce que je suis? Je sais pas où je suis dans une église. Où il y a un gros truc. Qui a pas l'air méchant. Ça a l'air d'être une tortue avec une... D'accord, ça a l'air d'être un pape. Une tortue pape. Expier les péchés. Ah, je n'ai pas besoin d'absolution. Et là, oh, le coffre, oui. Aiguille de couture en or. Nécessaire de couture dorée. Ah, il va peut-être falloir aller voir le couturier. Alors ça, il faudra que je vois où est le couturier. Ok. You're tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Muriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. T'aurais pu faire un effort. I know the origin of this place, how it came to be known as the Church of Vows. Je ne connais pas. Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us. All of us to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital. And the Academy of Rhea Lucaria. D'accord. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction. In which case, I will share all that I know. Ah, c'est un vendeur. Oh, 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 oh oui, oh oui, oh oui, il peut faire plein de choses, il peut vendre des épées, oh oui, oh oui. C'est quoi ça? Oh. Donner un parchemin, donner un bréviaire, montrer la rosée céleste, propos de Radagon. Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Renala to return to the Erd Tree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Mm-hmm. Renala, c'est qui? You wish to know more of Lady Renala? She is queen, head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Rhea Lucaria, the great and beautiful Full Moon Witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her. And then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. Mm-hmm. Do you possess any celestial dew?
Then I would like to share my knowledge with you concerning the miracle of this Church of Vows. Radagon once cleansed himself with celestial dew, repented his territorial aggressions, and swore his love to Rinala. The Order of the Erdtree and the fate of the moon were conjoined, and all the wounds of war forgiven. This miracle blesses the Church to this day, and so you need only follow Radagon's example to restore any bond, however strained or severed, to its rightful state of harmony. D'accord. To experience the miracle, kneel in the basin at the back and cleanse yourself with celestial dew. Absolution will be yours. Any bond, no matter how strained or even severed, will be put to rights. D'accord. Bien. Alors on pourrait te donner des trucs, mais j'ai pas envie de les donner à toi, vieille tortue. Ok, alors. L'aiguille dorée, c'est pour le couturier, mais le couturier, il est où ? Marchand nomade. Le couturier était au début du jeu, hein. C'est lui. Attendez. Allons là. Téléportons-nous là-bas. Allons lui donner des trucs de couturier. Doing here? You mustn't. Donner l'aiguille de couture. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. Ah, j'avais pas déjà donné. You go into a thing like that. My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? But thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamstress, like then I suppose I. D'accord. Alors, est-ce qu'il va disparaître ? Voilà, il a disparu maintenant. Si j'attends, il sera plus là. Voilà, il est plus là. Donc, il faut le retrouver maintenant. Allez, carte. Et après, on doit aller voir elle. Chevalier de Monsby, marchand nomade, marchand ascétique, Tops le sorcier, marchand nomade, ouais, marchand. L'augure, Myriel. Bah merde, je ne le vois plus. Ah, il va falloir le retrouver. Crotte. Caca. Bon, allons ici. C'est elle que je vais donner des trucs pour qu'elle fasse plus de magie. Oui. Ok. Bonjour Jacquelinette. Young apprentice. First things first, you are a tadpole when it comes to magic. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start learning? Oui, oui. Je suis con. Regarde tout ce que j'ai pour toi. Oh, is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well.
This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Oui. Yes, sir. The scroll takes me back to my academy days. Very well. I'll be sure to incorporate. Never lose. Oui. Is that a scroll? Very well. I'll be sure to Ok. Merci. Étudiant la sorcière, regardez-moi tous les sorts maintenant qu'on peut acheter. Oui. Allez. Pour acheter ça. Ça. C'est quoi ça? Grand fragment de pierre d'éclat. Comète de pierre d'éclat. Alors juste le nom me donne envie de l'acheter. Oui. Étoile, ok. Rafale stellaire. Tels les croiseurs. Arc de pierre éclat. Barrage de cristal. Arme d'érudit. Oh. Bouclier d'érudit, ça c'est pour l'épée. Phalange de lame éclat. Oui. Et trancheuse de carrière. Alors ça, moi j'achète. Ok, en vrai, il faudrait que je claque beaucoup trop d'argent. Allez. Ça fait quoi ton truc? Ça fait quoi ton truc de carrière là, je sais pas quoi? Allez. Ça. On m'a dit machin de carrière, voilà, ça. On m'a dit un bâton. Parce que sinon, ça marche pas. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Oh, vite. Quoique, peut-être en main gauche en vrai. Un bâton, vite. Alors après, il y a peut-être des armes, des épées et tout, qui permettent de faire de la magie en même temps qu'on l'utilise. Alors ça, je ne peux pas les utiliser. Bâton de la reine, bâton de l'excavateur, bâton d'éclat, au pire, bâton de merde, voilà. Eh oui, en avant. Alors, testons ça, sur des sbires. Allons voir les sbires. Église du Kourou, non, c'est pas là que je veux aller. Grande porte, si c'est là, non, c'est pas là. Si c'est là, non. Attendez, si c'est là, salle de débat. Il trouve. Allons débattre avec, avec notre ami. Alors, voilà. Alors, combien on fait avec Katana? 191. Ok. Il n'y avait que ça. Hein. Niveau 1, tout ça. Hein. Ah. 172, hein. Mine de rien, c'est pas dégueulasse. Hein. Ah oui. Et les coups s'enchaînent assez bien. D'accord. Alors, contre ça, 207. Et contre lui, 230. Ouais, on n'est pas... Attention, hein. Je rappelle, hein, mon bâton est niveau 1. Je suis pas si fort que ça en intelligence, hein. Donc, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être vraiment bien. Et je comprends pourquoi on peut avoir 52 d'intelligence quand on voit la puissance de la magie. Alors après, c'est toujours pareil dans les Souls. Je compte Elden Ring dans les Souls, hein, évidemment. La magie, c'est très très fort. Extrêmement fort. Mais il vous faut un investissement de stade de taré pour que ce soit efficace. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on aime. Ah, mais j'avais pas vu, là, il y a un objet à ramasser. J'avais pas vu ça. Ah, bon. Oui, je saute. J'ai pas honte. Oui, j'ai pas peur. Hop, hop. Hop là. Allez. Des fléchettes de cristal, bien. Là, je crois. Ici. Je crois que c'est là hein, que je dois être. Talon ! Cours. Tu vas te la prendre en pleine gueule. Donc là, c'est pour aller voir le vieux. D'accord. Ah, mais cette armure me dit quelque chose. Tiens, dans la bouche. Ah ! Une baltringue. Salaud! Dès que. On est sur ce genre de mec. Non! La tête de Zizi. D'accord.
Ok. On est sur ce genre de connard. D'accord. Je vais prendre mon bazooka atomique et te tatomiser la trogne. Allez. C'est parti. Donc, il y a Jackie. Je croyais que c'était un guerrier normal, moi, mais non, c'est un héros. Bien. Viens là, héros. Je vais te casser le cul. J'ai pas peur. Par contre, voilà, alors... Quel talent! Viens là, héros! Je suis prêt à te casser la bouche. T'es tout seul? Ok. Aïe. Match nul. Ok. Miss... Aïe. Eh, moi je peux pas le faire ça. Aïe. Ok. Merde. Mais merde. C'est quoi cette aura bleue qui apparaît autour de lui là? Et il a des soins. Intéressant de le notifier. C'est quoi cette aura bleue qui apparaît quand il parle hein? Attendez, mais moi j'ai pas le troisième coup. Ouais, moi j'ai pas le troisième coup. Je crois qu'il va être compliqué à tuer ce petit con. On n'a pas beaucoup d'âmes, donc on s'en fiche. Pas peur, moi. Moi, je roule comme ça, moi. Allez. J'ai pas peur des bouboules. J'ai pas peur des bouboules. Bordel. Ah d'accord, il me one shot. D'accord. Donc si il fait un contre, il me one shot dans tous les cas. D'accord. Il est fort, Jackie Michel, là. Ok. Il a peur de m'affronter. On va essayer avec cette katana là qui est pas magique, mais il est moins fort. On est en plus 7 et l'autre plus 8, c'est ça? Plus 5 seulement, ah oui. Il va peut-être falloir qu'on aille l'améliorer. Je sais pas jusqu'à combien on peut améliorer les armes dans celui-là. Souvent, avant c'était plus 10 ou plus 15. Dans Elden Ring, je ne le sais pas. Allons-y.
mais ça aussi peut le parer. Ah. D'accord, il peut parer l'attaque spéciale du katana. Ah. Il peut parer l'attaque spéciale du katana. Ok. I see, mon ami. Vous allez voir, on va faire un truc qu'on fait rarement. C'est-à-dire, on va se battre qu'à la magie. Voilà, on va lui faire bouffer sa mère. Voilà. Parce que les petites épées magiques, il ne peut pas les parer. On est d'accord. Ah, qu'est-ce que tu vas faire, hein, petit con? Qu'est-ce que tu vas faire, hein, hein? On va tellement le sodomiser. Un petit con. Allez, prends tes 107 PV. Ça marche. Si ça marche aussi! Ah ça par contre, ça je le savais pas. Ah ça marche aussi. Ah. Ok. Alors. Attendez. Ah. Bordel de bite à cul. Ah, well then. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. Fallait peut-être pas lui donner un truc hérétique. Oh, flamme! Projette une flamme vive depuis la main du lanceur. Projette une flamme depuis la main du lanceur. Recouvre la zone avec un lance-flamme. Très bien. C'est ça qu'on veut. Rend vos déplacements silencieux. Ah ça c'est bien ça. Crée une zone de ténèbres qui dissimule l'utilisateur. Bien. Le soin du poison. Ah. Ah il y a lui. You again, is it? The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did? I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. D'accord. It's on Mount Gelmir. That's where they hide. Just you wait. Le Mont Gelmir. Est-ce qu'on a l'emplacement alors? Non, on n'a pas. Hein. C'est pas grave. Oui. Alors. Well, I took you no matter. I had your arm. Renforcer les armes. Alors, on peut renforcer celle-là en plus 6. Et celle-là en plus 9. Très bien. Donc il faut du 800. Ouais, il faut 1700. Très bien. Alors. Voilà. Déjà. Merde, j'ai pas assez. Back already. No matter. Alléluia, on peut continuer. Je peux encore continuer. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, bouge pas. Bouge pas, Coco. Dis combien Coco y paye.
Voilà, dis combien Coco y paye. Elle. Non, j'en ai plus assez. Voilà. Donc là, ça devient intéressant. Et ça, je peux encore l'améliorer aussi. Oh là là, attendez. Dis combien Coco y paye. Dis combien Coco y paye. Donne le pognon. Alors, bon, ça j'ai pas les pierres de forge, c'est pas grave. Ça j'ai, donc je fais. Ça je peux faire aussi, en vrai. Allez. Voilà. Ah, nous sommes tout de suite beaucoup plus forts. Harmonisation spirituelle, je ne peux pas le faire. D'accord. Alors. Alors là, petit coco, le haka, il va tellement te défoncer l'anus. Ah bah oui, parce que là, d'un coup, il est plus fort, le haka. Et oui, on va pouvoir aller défoncer le cul de ce connard. Ok. Veuillez m'excuser, je reviens. Ok, il est de retour. On va se reposer sans faire exprès, j'ai utilisé des fioles. Voilà. Bon. Les touches, hein. Tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Alors, on faisait combien? 207, c'est ça? Combien on fait maintenant? 191, je crois, sur eux. Maintenant, je fais combien? Oui! Tellement plus fort. Ok. Allez. Plus 11, en tout cas, on aime bien ça. Cette boule n'est là que pour vous faire peur, hein, évidemment, vous l'avez compris. On lui faisait 107 tout à l'heure. Boum, 144. Oh, il a pas apprécié. Merde, j'ai plus de flèches. Merde, j'ai plus de flèches. Merde, j'ai plus de flèches. C'était pas prévu, c'était pas prévu. Ça fait rien de ça fait pas de dégâts par contre. D'accord. Dans ta face. Dégage. Dégage. On l'a tué! Rentre chez ta mère! Pardon. Donc. Nous disions donc que. Ah. On se sent beaucoup mieux maintenant. Ok. Bon, ça, c'est un ennemi unique, hein, il reviendra pas. Alors, ça fait quoi ce bouclier de Charia, Caria, Magnolia, tout ça, tout ça. Alors, bouclier de Caria. Il est moins bien que le bouclier en cuivre. Mais il pèse moins lourd. Et il fait des dégâts magiques quand on tape sur les gens avec. Bien. Que fait-il d'autre? Nénia particulièrement efficace contre les dégâts sacrés et magiques, ouais. Ok. Ouais, bah il est pas top quoi. Alors par contre celui-là il a l'air trop bien. Accumule du saignement, le gros bouclier avec les grosses pointes. Ah, un ascenseur. Prenons l'ascenseur. Alors je prends pas mes âmes hein, parce que de toute façon il y a pas d'âme dedans. Donc voilà. Alors est-ce qu'il y a des passages secrets sur les côtés? Non. Ok, une grosse porte, j'aime pas ça. Ça sent tellement le boss. Ouais, ça sent le boss, carrément. Donc redescendons. On ne veut pas faire ça tout de suite. Ah mais ce petit con, il était costaud.
Bon, par contre, voilà, hein, en fait, je l'ai bloqué dans un script où il devait prendre sa potion. Donc ça, c'est très bien. Et à un moment, il a voulu taper, mais bon, comme il avait plus de bouclier, qu'il avait plus de vie, au bourrin, c'est moi qui gagne de toute façon tout le temps. Voilà. Oui, au bourrin, c'est moi qui gagne. Personne ne peut me battre. Oh, bonjour. Vous avez pas vu? Bonjour. Ok. Ok. Ah, mais toi, je t'avais pas vu, Jackie. Bonjour, Jackie. Au revoir, Jackie. Merci pour les baies de sorbier pour mon cheval. Eh. Où est-ce qu'on arrive ici? Un pont. Ah, ça me dit quelque chose, ça. On pouvait pas l'ouvrir. Il y a une porte qu'on pouvait pas ouvrir la dernière fois. Voilà. D'accord. On arrive derrière ces deux petits cons. D'accord. C'était... D'accord. Ok. Avec derrière ces deux cons. Très bien. Pourquoi pas? Ah oui, mais si, ça nous permet... Ouais, mais non, parce que l'autre, on le tue... Ah, si, ça permet d'éviter la boule. Mais on a les deux babaches à tuer à chaque fois. Ils font beaucoup de dégâts. Et la boule n'est là que pour vous faire peur. Donc moi, je continuerai à arriver au niveau de la boule. En avant, ouvrons cette porte qui est clairement une zone de boss. Allons nous faire casser le cul. Alors, il est où le boss? Où que c'est qu'il est, ce con? Alors. Où que c'est qu'il est? Je regarde s'il n'y a pas des ennemis ou des objets à loot. Harry Potter. Hush, little Culver. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Très jolie, la madame. Ok, donc on doit tuer Harry Potter, c'est ça? D'accord, c'est Renala. Est-ce que je dois tuer les Harry Potter? C'est ça la question. En tout cas, ça lui enlève pas de vie à elle. D'accord. Ah oui, non mais vaut mieux les tuer à mon avis parce qu'ils vont nous casser les... D'accord, elle me jette des trucs à la gueule. Ah si, je pense qu'on doit les tuer... On va tuer une partie. Ça va la faire descendre de son piédestal là. Et là en tout cas elle a un bouclier d'énergie pour le moment. Je ne peux rien lui faire. Vous aimant hein, évidemment. Là, je vois pas pourquoi elle aura un bouclier. Et d'accord, hein, je peux pas la... Et j'ai plus de... Non non, c'est sûr qu'on puisse pas... On peut pas la viser. Ok. Voler des objets, c'est très bien, mais aïe, elle me jette des trucs avec des... Ah, est-ce qu'ils sont à l'infini ou pas? Ok, ça fait du feu, ça balance des saloperies. Ah, ah, ah.
Alors. Qui est l'autre qui chante? D'accord, j'ai compris. Il faut trouver celui qui chante et le tuer. Il va lui casser son bouclier au bout d'un moment. D'accord. D'accord. Ok, j'ai compris. Ok, lequel chante maintenant ? Je sais pas ce qui m'est arrivé dans la tronche, mais ça m'est arrivé dans la tronche. Bon, celui qui chante est où? Ça va, elle se régénère pas, c'est déjà pas mal. Je crève. Ah, il est là. Ouais. D'accord, il y en a trois maintenant. Yes. Oui, le jeu. Certainement une P2. Oh, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born forever and ever. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Brenala of the Full Moon. And the majesty of the night she conjureth. Ah, d'accord, c'est la mère de Rani, c'est ça? Ok. Ok. Oh, 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 oh.
quoi. C'est super beau en tout cas. J'avais plus de soins. D'accord. C'est un super beau combat. En tout cas. Donc, je suppose que si je retourne la voir, on refait le premier fight. Vérifions ça tout de suite. Ou est-ce que le premier fight est... c'est ok tier? Normalement non, et il faut refaire le premier fight. Hein. Après, le premier fight n'est pas si dur que ça quand on a compris. Là, la boule est là pour vous faire peur, vous le savez. Le mec, il est plus là, vous le savez. On peut charger comme des bœufs. Ok, en tout cas, la deuxième partie du fight est très très jolie, sympathique. L'arène est magnifique. Mais donc, c'est la mère de Rani. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est pas grave, Harry Potter. Maintenant que j'ai compris qu'il fallait que je vise les Harry Potter. Première phase, d'accord. C'était sûr. Ok, alors. Où est Harry Potter? Il est là. Hey. Alors, je suppose qu'elle va pas tomber. Non, il faut le deuxième. Où est le deuxième? Merci, j'ai apprécié. C'est pas grave. Là, le truc qui me tombe sur la gueule. Ok. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce qu'on approche quand même de l'heure. On sera déjà pas si mal. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour tabasser des gens. Allez, bye bye.